Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Je dis que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans ma vie. Alléluia. Mon âme chante ce chant Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Hosanna. Hosanna. Moi je chante Alléluia. Alléluia. Chante avec moi Alléluia. Alléluia. Mon ami chante avec moi Alléluia. Alléluia. Eh, eh. Chantant Hosanna. Hosanna. Tout ce qui est en moi crie Alléluia. Oh, oh, comme dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel désormais. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Pourquoi pleures-tu, mon frère? Il est fidèle. Pourquoi pleures-tu, ma sœur? Il est fidèle. Pourquoi pleures-tu, mon frère? Il a vaincu pour toi à Golgotha. Il est fidèle. Quelle est cette maladie qui te fait pleurer? Il est fidèle. Quelle est cette angoisse qui te fait pleurer? Il est fidèle. Car notre Dieu est fidèle. Mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais, car il est fidèle. Tu as été trahi par les amis, tu as été trahi par la famille, tu as été trahi par ton conjoint, mais lui, il est fidèle. Il est, il est fidèle. Mon âme chante Alléluia. Alléluia. Mon esprit chante. Chante Alléluia. Alléluia. Mon caractère même chante Alléluia. Alléluia. Dans la boue du péché, moi j'étais. Tu es venu me récupérer. Tu es venu me restaurer. Oh, oh. Je suis le fruit de la rédemption. Je suis le fruit du rachat. Oh, oh. Parce qu'il est fidèle. J'allais dans la boue de la mort. Il est fidèle. Ta grâce a dit non, 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 je te rattrape. Il est fidèle. Quand j'allais dans la boue du péché, ta miséricorde a dit je te rattrape. Non, 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 reviens, reviens, reviens. Il est fidèle. Quand j'étais dans la boue de la pudicité, ta miséricorde a dit viens, viens, je te reprends. Il est fidèle. Quand j'allais dans la boue de la colle, Seigneur, il est fidèle. Ta bonté a dit non, non, non. Il est fidèle. Je crie Alléluia. Alléluia.
Hosanna, eh, eh. Mon âme chante Hosanna, eh. Que tout ce qui est en moi crie Hosanna, Hosanna, que tout ce qui est en moi crie Alléluia. Justifié, racheté, Alléluia. Tu m'as pris dans les ténèbres pour me ramener à ton admirable lumière. Je chante Hosanna, Hosanna, chante Hosanna, Hosanna. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis ce soir. Que le Seigneur vous fortifie encore en cette nuit. Alors dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout va bien? Et nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Juste une manière de nous permettre de reconnaître sa présence, de nous permettre de manifester la foi. Que le Saint-Esprit est bien à côté de nous, qu'il est là. Alors dites-moi, s'il vous plaît, si tout va bien, le son. Ok. J'attends encore un peu. Gloire à Dieu. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, vous qui avez partagé la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, partagez, vous qui avez aimé la vidéo aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons tout de suite. Je vais prier et nous rentrons dans notre sujet de cette nuit. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te bénis encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, ô Dieu, et ta fidélité qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à maintenant. Seigneur, nous voulons encore passer du temps dans ta présence. Nous voulons encore rentrer dans ta présence afin de te dire merci, Seigneur, pour la journée que tu nous as donnée et aussi afin de recommander, Seigneur, ô Dieu, nos vies, nos familles, notre santé, notre avenir, tout ce que nous sommes, Seigneur, entre tes mains. Je te prie, Père, de prendre le contrôle de ce temps de prière et que le Saint-Esprit inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches et que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, soyez bénis. Nous sommes là dans notre session de la nuit, notre session de minuit. La guerre de minuit est notre... Ouh là là, qu'est-ce que j'écris? Anéantir. Ouh là, vraiment. Voilà, il y a une faute dans ce que j'écris ici. Oh là là. Anéantir, voilà. Gloire à Dieu. En même temps, je vous parle, en même temps, je vais essayer de corriger ça dans mon logiciel rapidement.
Ok. Anéantir les décisions des ténèbres. Est-ce qu'on peut l'écrire? Voilà, je corrige ça dans mon Photoshop. Voilà, hop là. Voilà, est-ce qu'on peut l'écrire? Voilà, je vais modifier ici. Gloire à Dieu. Et nous disons aussi shalom à la personne qui est à côté de nous. Là. Ok. Gloire à Dieu. Voilà, c'est mieux comme ça. Corriger. Hop. Voilà. Voilà. Celui-là, supprimer. Ok. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Shalom à tous. Donc, nous sommes dans notre session et notre thème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est anéantir les décisions des ténèbres. Anéantir les décisions. Les décisions des ténèbres. Voilà. Est-ce qu'on peut l'écrire? Anéantir. Et nous allons lire la parole de Dieu. Voilà. Ok. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 8 au verset 10. Ésaïe chapitre 8 au verset 10, je lis la parole de Dieu. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Je répète encore, Ésaïe 8 au verset 10, formez des projets et ils seront anéantis. Est-ce qu'on peut écrire cette phrase? Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. En d'autres termes, bien aimé, il y a ce qu'on appelle des projets, des décisions, amène des résolutions, des ténèbres. Tout ce qu'une personne peut vivre dans sa vie ne sont pas toujours les résultats de ce que cette personne veut. Tout ce qu'une personne, je répète encore, tout ce qu'une personne peut vivre dans sa vie, tout ce qu'une personne peut voir dans sa vie, n'est pas toujours le résultat de ce qu'il veut, n'est pas toujours le résultat de tout ce qu'il a voulu voir. Souvent, et des fois, plutôt, pas souvent, mais des fois, une personne peut vivre des résultats ou des choses qui sont en fait le résultat des décisions, des projets, des ténèbres. C'est pour cela que le prophète Ésaïe est en train de dire « Formez des projets et ils seront anéantis ». Et la version Darby, que j'aime bien, dit ceci, « Prenez un conseil et il sera dissipé. » Prenez un conseil et il sera dissipé. Dites la parole et elle n'aura point d'effet parce que le Dieu fort est avec nous. Wow. Parce que le Dieu fort est avec nous. Darby dit « Prenez un conseil et il n'aboutira à rien. » Dites la parole et elle n'aura pas d'effet, car Dieu est avec nous. C'est plutôt Martin qui dit, parce que le Dieu fort est avec nous. La version Martin dit, parce que le Dieu fort est avec nous. Et la version Darby dit, car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Prenez un conseil et il n'aboutira à rien. Dites la parole et elle n'aura pas d'effet. Donc, il y a des choses que quelqu'un peut subir, qui viennent de la parole qui a été prononcée quelque part contre lui. Il y a des choses qu'une famille peut vivre, qui sont les résultats d'une parole qui a été déclarée quelque part. La parole a été lancée et cette parole
à ramener des conséquences, à ramener des dégâts, à ramener des choses que, qui ramènent la souffrance dans la vie de quelqu'un. Mais gloire à Dieu parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et c'est pour cela que nous qui sommes en Christ, nous pouvons dire ceci, former des projets et ils seront anéantis. En d'autres termes, au nom de Jésus, tu as la capacité d'anéantir tous les projets formés contre toi. Au nom de Jésus, tu as la capacité de briser tous les projets qui ont été formés contre toi, tous les projets qui ont été montés contre ta vie, tous les projets qui ont été complotés contre toi. Oh, dans le nom de Jésus, tu as la capacité de briser cela. J'aimerais dire à quelqu'un, même si quelqu'un quelque part s'est ligué avec 1000 personnes, avec 100 personnes, pour maudire ta vie, pour dire des paroles de malédiction contre toi. La parole de Dieu est en train de te dire que dans le nom de Jésus, tu as la capacité d'anéantir leurs projets. Dans le nom de Jésus, tu as la capacité d'anéantir leurs projets. Même si des personnes se liguent contre toi pour venir t'attaquer la nuit pendant que tu dors, ils vont t'attaquer, mais le nom de Jésus va anéantir leurs projets. Former des projets. Là où les gens ont dit que tu vas toujours être malade. Là où les gens ont dit que tu ne peux pas avoir un travail. Là où les gens ont dit que tu ne peux pas avoir un mariage. Ça, c'est des projets qu'on a formés contre toi. Là où les pouvoirs des ténèbres se sont mis ensemble pour dire que cette personne ne peut pas avoir une vie épanouie. On a attaché son pied quelque part. On a attaché sa main quelque part. Ça, ce sont des projets qu'on a formés. Mais écoutez-moi, le Seigneur dit, formez des projets et ils seront anéantis. En d'autres termes, ces projets n'auront pas de succès. Ces projets n'auront pas de victoire. Ces projets ne vont pas aboutir. Alléluia. Ces projets ne vont pas aboutir et je déclare au nom de Jésus que tous les projets maléfiques qui ont été montés contre toi, qui ont été formés contre toi, parce que tu te connectes dans cette prière, parce que tu es connecté dans cette session d'aujourd'hui, je déclare que cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare sur toi qui es connecté, tout projet des ténèbres qui a été monté contre toi, tout projet maléfique qui a été monté contre ta destinée, je déclare que cela est anéanti maintenant que je parle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ici. Parce que le Saint-Esprit est ici avec nous. Parce que la puissance de Dieu est ici. Parce que le pouvoir de Dieu est ici. Je déclare que cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle les décisions des ténèbres? Bien-aimés, les décisions des ténèbres sont toutes les décisions, toutes les résolutions que le monde de la sorcellerie prend contre une personne. Dans le monde de la sorcellerie, on peut décider que quelqu'un ne peut pas se marier. Dieu t'a créé pour te marier, mais quelque part, les gens disent que non, il ne peut pas se marier. Nous décidons qu'il ne va pas se marier. Oh, laisse-moi te dire, toi qui es en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur parce que malgré leurs décisions, malgré leurs projets, toi tu es plus que vainqueur et tu vas te marier. Au nom de Jésus, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Donnez des ordres. Quel est l'ordre qu'on a donné sur ta vie? Quel est l'ordre qu'on a donné sur la vie de tes enfants? Quel est l'ordre qui a été donné dans le monde de la sorcellerie contre ta famille? Quel est l'ordre qui a été donné? J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit l'ordre qui a été donné contre toi, quels que soient les ordres qui ont été donnés contre ta famille, quels que soient les ordres qui ont été lancés dans le monde spirituel contre ta vie, le Seigneur te dit que cela est sans effet. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Cela sera sans effet. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois être dans la joie parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Tu dois être dans la joie. Tu dois marcher tête haute parce que le Seigneur est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, vaut mieux être avec le Seigneur que d'être avec 1000 personnes. Oh, vaut mieux être avec le Seigneur, vaut mieux être avec le Saint-Esprit que d'être avec 1000 personnes qui ne peuvent pas te protéger la nuit. Vaut mieux être avec le Seigneur que d'être avec 10 riches, 10 personnes qui ne peuvent pas te donner la vie. Vaut mieux être avec le Seigneur que d'être avec plusieurs amis sur la terre. Non, 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 non. Tu as besoin du Seigneur.
Alléluia. Le Seigneur Jésus vaut plus que tous les amis que tu peux avoir sur la terre. Le Saint-Esprit vaut plus que toutes les personnes qui peuvent t'entourer. Tant que tu es avec le Seigneur, alors les ordres qui seront donnés contre toi sont nuls et sans effet. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Commence à déclarer cela. Déclare cela cette nuit. Je suis plus que vainqueur. Que le ciel puisse t'entendre. Que la terre puisse t'entendre. Oh, que l'air puisse t'entendre dans le nom de Jésus. Que la terre puisse t'entendre. Que les profondeurs de la terre puissent t'entendre. Que le ciel puisse t'entendre. Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel puisse entendre ta voix qui dit, je suis plus que vainqueur. Peut-être que tu es au travail, tu m'écoutes à partir du travail. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es sur ton lit, que tu es en train de prier. Tu es en train de m'écouter et tu dis tout simplement, je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vous rassure, avec Jésus, vous êtes plus que vainqueur. Avec Jésus, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe les réalités que tu vois aujourd'hui, peu importe les choses que le monde te montre aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est que tu es plus que vainqueur parce que Christ est avec toi, parce que le Seigneur est avec toi. Oh, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Formez des projets. Ésaïe 8 au verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Tout projet qui est fait contre toi, tout projet qui est monté contre ta destinée en cette année 2023 est anéanti. Tous les ordres qu'on peut donner contre ta maison, contre ta famille, oh, est sans effet, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est pour cela, ne promène pas des regards inquiets. Ne te pose pas la question, quel sera mon lendemain? Est-ce que j'ai vraiment un avenir? Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment quelque chose de bon va sortir de moi? J'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose de bon va sortir de toi. Quelque chose de merveilleux va sortir de ta maison. Quelque chose de glorieux va sortir de ta destinée. Quelque chose de bon. La seule chose que tu dois faire, c'est de t'asseoir au pied du Seigneur. La seule chose que tu dois faire, c'est de choisir la bonne part. La seule chose que tu dois faire, c'est de t'accrocher au Seigneur. La seule chose que tu dois faire, c'est de dire, Seigneur, ton pied, mon pied. Là où tu iras, j'irai. Ce que tu diras, je ferai. Là où tu vas être, je veux être. Tout ce que je cherche, c'est ta présence. Ce que tu dois faire, c'est de chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu. Car la présence de Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Oui, la présence de Dieu te donne tout. Alléluia. La présence de Dieu est même plus que la prière. Oui, la présence de Dieu est plus que la prière. La prière ne te donne pas tout. Oh, prophétesse, comment ça se fait? La prière ne te donne pas tout parce qu'il y a des personnes qui prient sans la présence de Dieu. Lorsque tu pries sans la présence de Dieu, tu ne reçois rien. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, même si tu ne pries pas, Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé. Oh, lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé. La Tsunamite avait reçu Élisée dans sa maison. À un moment donné, elle n'avait rien demandé. Mais Élisée a demandé à son serviteur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette dame? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Et il a dit, elle n'a point d'enfant. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu va te donner les enfants. La présence de Dieu va régler tes problèmes. La présence de Dieu va répondre à tes besoins. La présence de Dieu va pourvoir aux besoins que tu n'as pas demandé. La présence de Dieu va t'accorder ce que tu n'as même pas demandé. Les choses que tu as mis de côté parce que tu cherches seulement la présence de Dieu. La présence de Dieu va te donner les choses que tu n'as pas demandé. Parce que Salomon cherchait la présence de Dieu. La présence de Dieu lui a donné et ce qu'il avait demandé, la sagesse, l'intelligence, et lui a rajouté encore l'argent et la richesse. La présence de Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin sans pour autant avoir demandé. C'est pour cela, cherche tout simplement la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. La présence de Dieu combat pour toi là où tu n'as pas fait de prière de combat. Tu n'as pas fait la prière de combat spirituel. Tu n'as pas chassé, tu n'as pas envoyé le feu, tu n'as rien fait. Mais parce que la présence de Dieu est en toi, autour de toi, à côté de toi, en toi. La présence de Dieu est là. Les démons prennent la fuite directement. Parce qu'ils savent qu'il y a une lumière qui est là-bas qu'on ne peut pas supporter. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu dois prier, mais ne prie pas sans Dieu. Alléluia. Oh, tu dois louer, mais ne loue pas sans Dieu. Tu dois adorer, mais n'adore pas sans Dieu. Adore avec Dieu.
C'est pour cela que Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Tout ce que nous allons faire, bien-aimés, faisons-le avec Dieu. Fais-le avec Dieu. Lorsque tu travailles dans l'église, sois sûr de travailler avec Dieu. Ne fais pas seulement de l'activisme. Tu fais des activités, mais Dieu n'est pas là. Travaille avec Dieu, avec sa présence. Avec sa présence. Sa présence. Lorsque tu fais la modération, avec la présence de Dieu. Lorsque tu fais le ménage dans l'église avec la présence de Dieu. Partout où tu es avec la présence de Dieu. L'éducation de tes enfants, avec la présence de Dieu. Ta manière d'aimer ton mari, avec la présence de Dieu. La manière d'aimer ta femme, avec la présence de Dieu. Lorsque tu vas travailler, tu travailles avec la présence de Dieu. Fais en sorte que cette présence ne te quitte pas. Fais en sorte que cette présence ne te quitte pas. Que tu sois toujours dans la présence de Dieu. Oh, dis à ton frère qui est à côté de toi, fais tout, mais tout avec la présence de Dieu. Fais tout, mais avec la présence de Dieu. Fais tout ce que tu as à faire, mais avec la présence de Dieu. Sers Dieu, mais sers Dieu avec sa présence. Sers Dieu avec sa présence et dans sa présence. Alléluia. Oh. Ah. Lorsque tu te connectes sur la tour de prière semeur, connecte-toi dans sa présence avec sa présence. Alléluia. Connecte-toi dans sa présence avec sa présence. Tu dois avoir la présence de Dieu. Lorsque tu vas aller chez le médecin va dire, je ne comprends rien ici. Pourquoi? C'est la présence de Dieu. Désire cette présence. Fais de cette présence ta recherche de tous les jours. Fais de cette présence ta soif de tous les jours. Ta faim de tous les jours. Ton objectif de tous les jours. La présence de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. La présence de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le avec la présence de Dieu. Alléluia. Fais-le avec la présence de Dieu. Alors, toutes les décisions des ténèbres qui seront prises contre toi vont être anéanties parce que la présence de Dieu est avec toi. Lorsqu'on va invoquer ton nom pour le mal, ils vont voir un tonnerre éclatant qui va venir disperser leur projet. Lorsqu'on va invoquer ton nom pour le mal, c'est la présence de Dieu qui va les détruire. C'est la puissance de Dieu qui va les détruire. Oh, c'est la puissance de Dieu qui va les détruire. Lorsqu'on va invoquer le nom de tes enfants pour le mal, oh, des anges vont être envoyés parce qu'il y a la présence de Dieu avec toi. Dès qu'on te cherche, parce que la présence de Dieu est en toi, il y aura une alarme qui va sonner. Une alarme va sonner quelque part, là où les archanges se trouvent. En disant, allons secourir notre frère. Allons secourir l'enfant de Dieu. La présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alors tous les projets, les décisions des ténèbres vont être anéantis. Tu peux dormir tranquille. Lorsqu'on viendra te chercher, dans la nuit, ils trouveront la présence de Dieu. Lorsqu'ils voudront rentrer dans ta maison, ils vont trouver la présence de Dieu. Lorsqu'ils chercheront à te toucher, ils trouveront la présence de Dieu. Désire cette présence. Et cette semaine, on était beaucoup dessus. S'asseoir au pied du Seigneur, chercher sa présence. Que cela soit notre soif, notre désir de tous les jours. Que cela soit notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier pour anéantir les décisions des ténèbres. Alléluia. Alléluia, alléluia. J'acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Dis avec moi, béni, béni, béni. Est-ce que quelqu'un est béni? Nous voulons rentrer dans la prière. Je vois déjà le Saint-Esprit est déjà là. La puissance de l'Esprit est tellement descendue. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pour la vie qu'il t'a encore accordé ce jour. Lui qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à maintenant, tu vas lui dire merci. Tu vas être reconnaissant au Seigneur. Tu vas être reconnaissant au Seigneur. Dis-lui merci dans le nom de Jésus. Dis-lui merci dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta vie, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour la victoire que tu nous as encore accordée en ce jour. Merci car c'est toi qui nous as gardés depuis le matin. Tu as gardé notre départ et tu as gardé notre retour. Tu as gardé notre aller et tu as gardé, Seigneur, notre retour. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons annoncer cette nuit que tu es le Dieu fidèle.
Nous voulons annoncer cette nuit, Seigneur, que tu es le Dieu grand. Béni soit ton nom, Seigneur. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Au nom puissant de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te magnifie. Je t'exalte encore. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour la vie, ô Dieu, de mes enfants, de ma maison, de ma famille. Je veux te célébrer. Je veux te louer, Seigneur. Merci, car je reconnais que c'est toi qui nous donnes ta vie. C'est toi qui nous préserve du mal. C'est toi qui nous a donné la victoire en cette journée. C'est toi qui nous a donné la vie. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Là où tu te trouves, tu vas encore te repentir devant le Seigneur. Tu vas demander pardon pour tous les péchés commis en ce jour. Oui, en cette journée, assurément, nous avons parlé. Assurément, nous avons fait beaucoup de choses. Dernièrement, je regardais une application que mes enfants me montraient et elle me montrait les pas qu'elles font par jour. Et il y avait 12 000 pas, 15 000 pas. Je dis, waouh, comment on peut faire autant de pas et on ne se rend pas compte. Bien-aimé, c'est pareil pour le péché. Tellement on parle beaucoup, on rencontre des personnes. On peut pécher sans se rendre compte. On peut commettre des péchés sans se rendre compte. C'est pour cela, bien-aimé, nous voulons demander pardon au Seigneur. Demander pardon afin que le Seigneur nous pardonne tout péché que nous avons commis en ce jour et que notre prière puisse monter devant lui sans obstacle, sans blocage, afin que notre prière ne nous revienne pas, mais que notre prière monte devant le trône de la grâce comme un parfum de bonne odeur. Car Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Commence à prier, demande pardon au Seigneur pour tous tes péchés connus et inconnus. Au nom puissant de Jésus, j'suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je viens encore devant le trône de ta compassion, devant le trône de ta grâce, de demander pardon, Seigneur, pour tous les péchés que j'ai commis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Je viens encore devant le trône de ta grâce, Seigneur, ô Dieu, afin de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, en pensée, en parole, par action, par omission, Seigneur, ô Dieu. J'ai parlé, j'ai envoyé des textos, j'ai pensé, Seigneur, ô Dieu, et je reconnais que dans toutes ces choses, j'ai péché contre toi. C'est pour cela que je te demande pardon, Seigneur. David a dit, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui subsistera devant toi? Seigneur, nous reconnaissons que si tu pouvais compter les fautes de chaque personne, personne ne pourra résister devant toi parce que tu n'aimes pas le péché. Seigneur, mais nous te disons pardonne, Seigneur. Et merci parce qu'il est écrit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne les péchés de nos enfants. Pardonne les péchés de notre maison. Pardonne les péchés de nos époux. Pardonne les péchés de nos épouses. Pardonne les péchés, Seigneur, et accorde-nous ta grâce en cette nuit et que la prière puisse monter devant le trône de ta grâce. Comme, Seigneur, une offrande du soir, comme l'encens de bonne odeur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander au sang de Jésus de te purifier encore ce soir. Que le sang de Jésus te purifie, purifie ta maison, purifie tes enfants, ton épouse, purifie tout ce qui est autour de toi, te purifie esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus, commence à prier, alléluia, car le sang de Jésus est le sang de la purification, commence à prier pour que tu sois purifié par le sang de Jésus, que toute souillure qui était en toi, toute souillure ignorée, toute souillure que tu ne connaissais pas, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es en train de prier, au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je viens encore devant le trône de ta grâce. Seigneur, invoquer ton sang précieux. Que ton sang, Seigneur, me lave. Que ton sang, Seigneur, me nettoie. Cette nuit, Seigneur, je veux être purifié par ton sang précieux. Que ma maison soit purifiée, Seigneur. Que je sois lavé, esprit, âme et corps, de la tête à la plante de mes pieds. Que mes enfants soient purifiés. Que ma maison soit purifiée par ton sang précieux. Et que toute chose que tu n'as pas plantée, toute chose que tu n'as pas, Seigneur, mis en moi, que cela soit déraciné dans le nom de Jésus. Que tous les mauvais dépôts, que ça soit dans ma maison, que ça soit dans mon corps, que ça soit chez mes enfants, que tout ce qui est mauvais dépôt, tout ce qui est corps étranger, que cela soit déraciné par ta puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit anéanti, que cela soit brisé au nom de Jésus.
Oui, Seigneur, je viens, Seigneur, prier. Je viens invoquer ton sang. Car la Bible me dit que ton sang parle mieux que celui d'Abel. Seigneur, purifie-nous. Et que ton sang, Seigneur, puisse immerger notre maison. Immerger ma vie. Inonder ma vie. Purifier ma vie. Et que, Seigneur, je sois totalement pur. Seigneur, grâce à ton sang précieux, dans le nom de Jésus. J'appelle ton sang, Seigneur. J'appelle la purification par ton sang. J'appelle la purification par ton sang. En cette nuit, Seigneur, je viens plonger dans la piscine de ton sang précieux. Je plonge dans la piscine du sang de Jésus. Je plonge mes enfants dans la piscine du sang de Jésus. Je viens plonger ma maison dans la piscine du sang de Jésus. Je plonge ma santé. Bien-aimé, tu es en train de plonger ta vie dans la piscine du sang de Jésus. Tu es en train de plonger ta santé dans la piscine du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es en train de plonger ta vie dans la piscine du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier, quelqu'un en train de prier. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un en train de prier dans le nom de Jésus, dans la piscine du sang de Jésus. Tu es en train de te plonger au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur et tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Oh, la Bible déclare, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tu vas prier et tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Esprit, âme et corps, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te conduise, que le Saint-Esprit te gouverne, que le Saint-Esprit prenne toute la place dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je viens encore devant le trône de ta grâce, Seigneur. Je viens encore dans ta présence. Oh, remplis-moi encore du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Esprit, âme et corps, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit prenne la place dans ma vie, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de dire que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus a dit à la Samaritaine, « L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Oh, sois rempli, dis au Saint-Esprit de te remplir. Tu as besoin qu'il te conduise, tu as besoin qu'il te gouverne, dans le nom de Jésus. Oh, il est aussi écrit dans Éphésiens 5 au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dis, Saint-Esprit, je veux être rempli de toi. Remplis-moi. Je refuse d'être rempli de la colère. Je refuse d'être rempli du monde. Je refuse d'être rempli de l'amour du monde. Je refuse d'être rempli du péché. Je refuse d'être rempli de la haine. Je refuse d'être rempli des désirs charnels. Je veux être rempli de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Remplis-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. De la tête à la plante de mes pieds. Que je sois rempli par toi. Que je sois rempli de toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, si tu n'as pas de force, tu as besoin de l'esprit de force. Car la Bible déclare dans Michée 3 au verset 8, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. » Alléluia. Sois rempli de la joie de l'esprit. Sois rempli de force. Sois rempli de sanctification. Sois rempli de l'esprit de paix. Sois rempli de l'esprit de sainteté. Sois rempli de l'esprit de force. La faiblesse ne vient pas de Dieu. La faiblesse ne vient pas de Dieu. Mais reçois la force. Dans le nom puissant de Jésus, sois rempli de l'esprit de sagesse, sois rempli de l'intelligence, oh, sois rempli de l'esprit de sagesse, sois rempli de l'esprit d'intelligence, sois rempli de l'esprit de prière, sois rempli de l'esprit de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse d'une manière extraordinaire, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus,
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous rentrons dans le combat spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rentrons dans le combat spirituel. Alors tu vas dire avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit. Alors que je me tiens à la porte de minuit, j'anéantis maintenant toute décision des ténèbres qui a été prise contre moi au nom de Jésus. Bien-aimés, faites cette prière avec sérieux. Vous savez, des fois, c'est des choses spirituelles. On ne voit pas. Vous ne savez pas quelles sont les décisions qui ont été prises sur vous. Vous ne savez pas quels sont les challenges qui sont sur votre vie. Vous ne savez pas quels sont les dilemmes qui sont sur votre vie. Vous ne savez pas quelles sont les décisions, quels sont les enjeux spirituels sur votre vie. Alors, bien aimé, tu n'as pas besoin de savoir d'abord avant de prier. Prie tout simplement par la foi. Prends autorité. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens anéantir toutes les décisions des ténèbres prises contre moi et ma maison au nom puissant de Jésus. Je viens détruire toutes les décisions des ténèbres prises contre moi et ma maison au nom puissant de Jésus. Prises contre moi, contre mes enfants, contre ma maison, contre ma santé au nom puissant de Jésus. Commence à anéantir dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de briser cela. Tu es en train de décimer cela. Tu es en train de calciner cela. Tu es en train de rendre cela en poussière au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je viens anéantir toute décision des ténèbres. Toute décision des ténèbres prise contre moi, prise contre ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, alors que je me tiens à la porte de minuit, toute décision qui a été prise contre moi et mes enfants, je viens maintenant détruire cela au nom puissant de Jésus. Tous les verdicts des ténèbres qui ont été pris contre ma destinée, contre mes enfants, contre ma famille, je vous anéantis maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Je vous anéantis maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Tu es en train d'anéantir toute résolution prise contre moi et ma famille. Je vous anéantis maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute résolution des ténèbres prise contre moi et ma maison, prise contre ma destinée, prise contre ma famille. Je vous anéantis par le feu. Je vous brûle par le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de briser cela. Tu es en train de détruire cela. Tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi. Tout ce que tu sais, c'est que tu dois briser. Dans le nom puissant de Jésus, toute décision des ténèbres prise contre moi, depuis la maison de mon père, depuis la maison de ma mère, depuis la maison de ma belle famille, je vous anéantis maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis avec moi, toute décision des ténèbres prise contre moi, depuis la maison de mon père, depuis la maison de ma mère ou depuis la maison de ma belle famille, soyez foudroyés par le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez brûlés maintenant au nom de Jésus. Toute résolution de la sorcellerie, tout verdict de la sorcellerie prise contre moi, depuis la maison de mon père ou depuis la maison de ma mère, je vous anéantis, je vous brise maintenant, je vous brûle par le feu dans le nom puissant de Jésus. Soyez anéantis maintenant, soyez brisés maintenant, soyez détruits maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es en train d'anéantir cela. Tu es en train de briser cela. Tu es en train de piétiner cela. Tu es en train de déchirer cela par la puissance du sang de Jésus. Tu piétines, tu anéantis tous les décrets des ténèbres, toutes les décisions des ténèbres prises contre toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un est en train de prier. Tu es en train d'exterminer cela au nom de Jésus. Toute décision des ténèbres prise contre mes enfants, oh, que ça soit dans le monde visible ou dans le monde invisible, que ça soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, je vous anéantis maintenant au nom de Jésus. Tu es en train d'exterminer ces décisions. Tu es en train d'exterminer ces décisions dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Et tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des forêts, tout pouvoir des cimetières qui a été assigné contre ma vie, qui a été assigné, qui a été envoyé contre moi, qui a été envoyé contre ma destinée. Je vous extermine par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Suivez-moi très bien. Nous détruisons tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des eaux,
tout pouvoir de forêt. Vous pouvez rajouter les pouvoirs des rivières, tout pouvoir des cimetières, tout pouvoir des montagnes, tout pouvoir satanique et démoniaque qui a été envoyé contre moi, qui a été assigné contre moi, qui a été assigné contre ma destinée. Je vous extermine par le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train d'exterminer. Commence à exterminer ces pouvoirs au nom puissant de Jésus. Tu vas dire selon que le Saint-Esprit va te donner. Moi, je te le dis juste pour te mettre sur la piste. Tout pouvoir des ténèbres assigné contre moi. Tout pouvoir des eaux, pouvoir des forêts, pouvoir des rivières, pouvoir des cimetières, tout pouvoir des cavernes, pouvoir des montagnes qui a été envoyé contre moi, qui a été envoyé contre ma destinée pour me bloquer, qui a été envoyé contre moi pour mettre des obstacles sur mon chemin. Je vous extermine par le feu au nom puissant de Jésus. Soyez exterminés maintenant. Bien-aimés, tu es en train de les exterminer. Soyez exterminés maintenant. Alors que tu es en train de prier, si tu es tourmenté par le pouvoir des eaux, tu vas sentir quelque chose. Si tu es tourmenté par un esprit de forêt, tu vas sentir quelque chose. Si tu es tourmenté, s'il y a un esprit qui est en toi qui vient des eaux, des forêts, des montagnes, des cavernes, des cimetières, tu vas sentir. Il y en a qui vont sentir des choses sortir de. Il y en a qui vont sentir des choses sortir comme s'il y a une décharge électrique qui sort de toi. Il y a quelque chose. Il y a eu une décharge électrique et qui est sortie de toi. Il y aura quelque chose qui va sortir. Au nom puissant de Jésus. Soyez exterminés maintenant par le feu dans le nom puissant de Jésus. Soyez exterminés maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des cimetières, tout pouvoir des forêts, tout pouvoir des rivières, tout pouvoir maléfique, tout pouvoir du village qui retenait ton ventre, qui retenait tes mains, qui retenait ta santé, est maintenant exterminé au nom puissant de Jésus. Est maintenant exterminé par le feu au nom puissant de Jésus. Est maintenant exterminé par le feu au nom puissant de Jésus. Voilà, ça commence déjà. J'ai envie de vomir. Voilà, si tu as envie de vomir, laisse le téléphone, va vomir. Ça doit sortir au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des forêts, tout pouvoir des rivières, tout pouvoir des cavernes, tout pouvoir des montagnes, tout pouvoir, quel que soit son nom, quelle que soit sa source. Oh, quelqu'un dit, l'autre dit, mon ventre chauffe, mon ventre chauffe. D'autres personnes aussi, les ventres vont chauffer. Tout pouvoir, l'autre maman, ma tête chauffe. Oh, rebo, ça va. Ma rabroche. Au nom puissant de Jésus, je sens une forte délivrance ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, ma rebroche. Tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des cimetières, tout pouvoir des rivières, tout pouvoir des montagnes, tout pouvoir des forêts, ma rabroche. Oh, les bâillements, au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir, quel que soit ton nom, qui retient un fils d'Abraham, qui retient une fille d'Abraham qui est connectée ici, je t'ordonne d'être exterminé maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, au son de ma voix, au son de ma voix, parce que je parle dans le nom puissant de Jésus. Ma voix maintenant te touche. Ma voix pénètre dans ton corps. Et ma voix ramène le feu du Saint-Esprit qui consume tout ce qui est du diable maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, formez des projets et ils seront anéantis. Oh, les bras sautés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Formez des projets et ils seront... Oh, quelqu'un dit, maman, je tousse. Oui, j'ai des picotements. Vous avez des picotements, vous êtes en train de tousser, c'est la puissance du Saint-Esprit. La distance n'est pas un problème pour Jésus. La distance n'est pas un problème pour le Seigneur. Oh, l'autre dit, j'ai entendu mon ventre parler, m'a rabroché. Au nom puissant de Jésus, la puissance du Saint-Esprit agit maintenant, m'a rabroché. Tout pouvoir qui est en train de... Qui prenait tes enfants dans le ventre, je le détruis et l'extermine par le feu du Saint-Esprit maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car leur projet est maintenant anéanti. Leurs projets sont maintenant anéantis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Toi, pouvoir des forêts. Toi, pouvoir des eaux. Toi, pouvoir des cimetières. Toi, pouvoir des cavernes. Toi, pouvoir des montagnes. Toi, pouvoir des ravins. Toi, pouvoir du village. Je t'ordonne d'être exterminé par le feu maintenant au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne d'être exterminé par le feu maintenant dans le nom de Jésus. Dans ma voix, il y a l'autorité du sang de Jésus. Il y a l'autorité du nom de Jésus. Il y a l'autorité de Christ. Et au son de ma voix, tout ce qui est corps étranger dans ton corps reçoit le feu maintenant au nom puissant de Jésus. 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 L'autre qui, je ressens une fraîcheur, maman. Ressentez ce que vous ressentez. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter. Si c'est vomir, allez vomir. Si c'est cracher, cracher. Si c'est bailler, bailler. Ne retenez pas ça parce que c'est votre délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout pouvoir des ténèbres qui nourrit la maladie dans ta vie. Je l'ordonne d'être exterminé par le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir des ténèbres qui nourrit la pauvreté et les échecs dans ta vie. Je l'ordonne d'être calciné jusqu'à la racine au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, je crache des glaires, je crache des glaires. Et j'ordonne à tout ce qui était dans ton ventre, dans ta bouche, de sortir maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le feu, que cela soit détruit. Par le feu, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors écoutez-moi, vous allez encore prier. Vous tenez juste votre ventre. On va encore faire encore cette prière une dernière fois. Au nom puissant de Jésus. Vous tenez votre ventre, posez le téléphone, tenez le ventre. Au nom de Jésus. Tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des cimetières, tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des montagnes, tout pouvoir des cavernes, tout pouvoir des forêts qui bloquent ma vie, qui cherche à bloquer ma vie, qui a été envoyé contre moi, soyez exterminés par le feu au nom puissant de Jésus. Soyez exterminés par le feu au nom puissant de Jésus. Soyez exterminés par le feu au nom puissant de Jésus. Voilà, une autre personne dit, maman, je vomis et je crache. J'ai mal à la tête. C'est ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors que vous avez touché vos ventres, alors que tu touches ton ventre, je déclare que ta main devient le feu. Au nom de, je me connecte à ta main. Je connecte ma main à ta main. Et j'appelle le feu dans ton ventre, le feu pour calciner, exterminer, détruire, ruiner tout ce qui n'est pas de Dieu en toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je joins mes mains à vos mains. Je joins ma main plutôt à vos mains. Et je déclare que le feu passe maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que le feu passe maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi. Au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens plonger maintenant toute décision des ténèbres qui a été prise contre moi dans le sang de Jésus. Je viens noyer maintenant, je viens noyer maintenant toute décision des ténèbres qui a été prise contre moi et ma famille dans le sang de Jésus. De la même manière que les chars de Pharaon avaient été anéantis, je viens noyer toutes les décisions maléfiques prise contre moi dans le sang de Jésus. Commence à les noyer. Je viens noyer les décisions des ténèbres contre moi. Au nom puissant de Jésus. Je viens noyer tous les décrets, les verdicts des ténèbres décidés contre moi et ma maison, décidés contre ma famille dans le sang de Jésus. Je vous noie dans le sang de Jésus. Soyez noyés maintenant. Soyez. Oh, Charlotte écrit, j'ai mal à la tête. C'est ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Par la foi, je touche ta tête dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de déclarer. Je viens noyer toute décision prise contre moi dans le sang de Jésus. Je viens noyer toute décision prise contre moi dans le sang de Jésus. Bien-aimés, comprenez que la distance n'est pas un problème pour le Seigneur Jésus. Même si tu es au Sénégal, il te touche maintenant. Même si tu es au Congo, Brazzaville, il te touche maintenant. Même si tu es en Guyane, il te touche maintenant. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. La distance n'est pas un problème parce que la présence du Saint-Esprit est là avec toi. La présence de l'Esprit, alors que je parle, tu reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Tu n'as même pas besoin d'être à côté de moi. Tu reçois ta délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre maintenant la gomme du sang de Jésus. Tu vas dire, je prends la gomme du sang de Jésus et j'efface maintenant
toute condamnation qui a été écrite contre moi. J'efface maintenant toute condamnation qui a été écrite contre ma famille. J'efface maintenant. Waouh, ça continue, j'ai mal à la tête. Je sors les glaires et je crache beaucoup. C'est ta délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Les bâillements à répétition, c'est votre délivrance. Bien-aimé, tu prends la gomme du sang de Jésus par la foi. Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je prends la gomme du sang de Jésus et j'efface maintenant toute écriture maléfique qui a été écrite contre moi. Tout ce qui a été écrit contre mes enfants, j'efface cela avec la gomme du sang de Jésus. Commence à effacer cela avec la gomme du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Quelqu'un dit, maman, je vois un serpent jaune sortir de mon corps dans une courte vision. Marabroche. Je déclare maintenant ta délivrance totale au nom puissant de Jésus. Je déclare ta délivrance totale au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout serpent maléfique qui a été envoyé contre toi, je les envoie dans le feu maintenant au nom puissant de Jésus. De la même manière que l'apôtre Paul avait jeté le serpent dans le feu, que tout serpent qui a été assigné contre toi, qui m'écoute maintenant, soit brûlé, exterminé par la puissance du feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train d'effacer. Prends la gomme du sang de Jésus. Je prends la gomme du sang de Jésus et j'efface maintenant toute condamnation écrite contre moi, toute écriture maléfique écrite contre moi et mes enfants. Tout ce qui a été écrit contre moi, contre mes enfants, contre ma maison, que ça soit dans les eaux, que ça soit dans les montagnes, que ça soit dans les forêts, que ça soit dans les cimetières, quel que soit l'endroit où ça a été écrit, je déclare que je prends la gomme du sang de Jésus qui efface tout. Alléluia. Je déclare que je prends la gomme du sang de Jésus. Alléluia. Reba sauvé. Marabroché. Je pleure et je baille. Reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. L'autre dit, moi j'ai très très mal au ventre. Il se peut que tu puisses avoir une genre de diarrhée. Si tu sens que ton ventre a besoin d'aller aux toilettes, il faut partir, il ne faut pas retenir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, pour toutes les personnes qui sont tes manifestations, je déclare, et pour les autres aussi, je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle les anges de Dieu, que les anges de Dieu puissent prendre maintenant soin de votre cas, que les anges de Dieu interviennent maintenant que je parle, au nom puissant de Jésus, je libère les anges de Dieu dans vos vies, je libère les anges de Dieu dans vos vies, au nom puissant de Jésus, que les anges guerriers soient maintenant envoyés dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un écrit, j'ai vu une rivière d'eau trouble devenir limpide. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'autre dit, maman, mes jambes chauffent très fort. J'appelle maintenant l'intervention des anges à côté de vous, maintenant que je parle, au nom puissant de Jésus. L'autre dit, j'ai mal à la gorge, dans le nom puissant de Jésus. Recevez votre délivrance dans le nom de Jésus. Recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'autre écrit, maman, j'ai comme s'il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Ne t'inquiète pas, c'est ta délivrance. Et j'appelle, je déclare encore, je libère les anges de Dieu maintenant. Je libère les anges de Dieu. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, ouvre le ciel, qu'un portail s'ouvre et que les anges soient libérés maintenant sur cette session de la tour de prière semeur. Que les anges guerriers soient libérés maintenant sur cette session de la tour de prière semeur, afin d'aller faire ministère dans la vie de chaque personne, Seigneur oh Dieu, qui est connecté à ma voix dans cette prière, dans la vie de chaque personne, alors que je lève ma main droite, Seigneur, que le portail s'ouvre, qu'un portail spirituel s'ouvre, que le ciel s'ouvre et que les anges puissent descendre maintenant, que les anges puissent descendre maintenant, afin d'achever, afin de donner une victoire totale à tes enfants maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alors que je lève ma main droite, les anges viennent chez toi. Quelqu'un dit comme des fourmis, je pense, dans les pieds. Les anges viennent auprès de toi maintenant. Au nom puissant de Jésus, les anges de Dieu viennent. Moi, j'ai vomi, je ne cesse de cracher. Les anges de Dieu viennent maintenant. Là où tu te trouves, les anges de Dieu viennent maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils vont terminer ce combat maintenant. Ils terminent ce combat pour toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'autre écrit, j'ai des démangeaisons aux pieds et je suis en train de rôter. Reçois ta délivrance maintenant. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, bien-aimé, est là. Le nom de Jésus, le Seigneur Jésus est là. Les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que tu as invoqué le nom du Seigneur Jésus, tu es sauvé. Parce que tu as invoqué le nom du Seigneur Jésus, tu reçois ta délivrance. Parce que tu as invoqué le nom du Seigneur Jésus, tu reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus. La gomme du sang de Jésus efface toute condamnation, toute parole maléfique, toute parole de ténèbres, toute parole de malédiction qui a été écrite contre toi au nom de Jésus. Une autre personne écrit, « Maman, les bras, le cou et ma tête me grattent. Reçois ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus. J'ai levé la main, j'ai prié, j'ai appelé les anges de Dieu. Vous n'êtes pas seuls. Les anges de Dieu sont déjà là. Les anges de Dieu sont déjà là à côté de vous. Les anges de Dieu sont déjà là à côté de vous. Ils font ministère maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un écrit, je sens mon cerveau lâché. Ne t'inquiète pas, ton cerveau est bien en place. Mais tu sens juste une activité qui était à ce niveau-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la victoire. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Tous les dépôts maléfiques qui étaient dans votre ventre, cela sort au nom de Jésus. Cela est brûlé au nom de Jésus. Cela est exterminé au nom de Jésus. Je viens ruiner au nom puissant de Jésus toute activité des ténèbres qui étaient dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Je viens ruiner, je viens détruire toute activité des ténèbres qui étaient dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une autre personne écrit, « Maman, j'ai mal à la tête. » L'autre écrit, « Maman, je sens des brûlures au niveau des plantes des pieds. » Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire dans tes pieds. La victoire partout où foulera la plante de tes pieds, le Seigneur te le donne en possession. Au nom puissant de Jésus. Oui, il y a des obstacles dans ta vie. Je brise les obstacles dans le nom puissant de Jésus. Partout où tu vas aller, il n'y aura plus d'obstacles dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai beaucoup vomi et je crache. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Alors dites avec moi, je reçois les anges de ma délivrance. Je reçois les anges de ma délivrance. Faites comme les autres qui ont crié, je reçois les anges. Je reçois les anges de ma délivrance ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois les anges de ma délivrance. J'ouvre la porte de ma maison aux anges de la délivrance dans le nom de Jésus. Je reçois les anges de la délivrance au nom puissant de Jésus. Je reçois les anges de la délivrance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je reçois les anges de la délivrance. Dans le nom encore une autre personne. Maman, j'ai mal au ventre et mon ventre bouge. Oh, ça va sortir. Ce qui était dedans sort maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qui était dedans sort par le feu. Tout ce qui est en train de résister dans ton ventre. Tout ce qui bouge dans ton ventre, qui n'est pas de Dieu. Sors maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cela est expulsé maintenant au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Waouh, merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Seigneur, toi qui fais des délivrances même à distance. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois les anges de la délivrance dans ma vie. Je reçois les anges de ma délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je reçois les anges de ma délivrance dans ma maison. Dans le nom de Jésus, je reçois les anges de ma délivrance dans ma vie au nom puissant de Jésus. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Toi qui m'écoutes, ne doute pas. Le même Dieu qui est en train de toucher les autres est le même qui est en train de te toucher. Connecte-toi tout simplement à leur délivrance. Lorsque tu vois que quelqu'un dit que je suis en train de bailler, dis-toi, Seigneur, merci pour ma délivrance aussi. Car il fait aussi avec toi. Il est le même qui est ici. Le même Dieu qui fait pour les uns est le même qui fait pour toi et le même qui fait pour les autres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, tu vas encore prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Merci Seigneur. Alors tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, alléluia, que toute turbulence satanique, arrangée contre moi, ou encore décidée contre moi, soit exterminée par le feu au nom puissant de Jésus. Que toute turbulence satanique arrangée contre moi soit exterminée par le feu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où on a préparé des turbulences sataniques contre toi, là où on a préparé des turbulences, des ténèbres contre toi, que cela soit brûlé, que cela soit exterminé par le feu au nom puissant de Jésus. Que cela soit exterminé par le feu au nom puissant de Jésus. Que cela soit exterminé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Toute turbulence satanique préparée contre moi et ma maison, contre moi et mes enfants,
contre moi et mon foyer. Que cela soit exterminé par le feu dans le nom de Jésus. Détruis les turbulences. Les turbulences sataniques, c'est tout ce qu'on a préparé contre toi dans ton année, dans ta vie. On a préparé une turbulence quelque part, dans un mois, quelque part là-bas. Que cela soit exterminé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit. Que cela soit anéanti. Que cela soit ruiné. Que cela soit détruit, calciné jusqu'à la racine, brûlé jusqu'à la racine. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un en train de prier. Au nom puissant de Jésus, toute turbulence préparée contre moi, que cela soit exterminé, que cela soit anéanti, que cela soit brisé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, détruis les turbulences des ténèbres, détruis les turbulences de la sorcellerie, détruis les turbulences sataniques et démoniaques qui ont été préparées contre toi, qui ont été mises contre toi, qui ont été préparés comme piège contre toi. Que cela soit brûlé, que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible déclare que Jabet était dans la malédiction. Quelqu'un dit, maman, j'ai de la douleur au niveau du sein droite. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et si c'est un esprit qui est derrière, j'ordonne à cet esprit d'être exterminé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mais je suis convaincu, je suis vraiment convaincu que c'est quelque chose qui est derrière. C'est un esprit qui est derrière. Et non pas une maladie, mais un esprit. Il y a quelque chose qui contrôle ça. Donc je lui ordonne d'être brûlé maintenant au nom puissant de Jésus. Et que tu puisses recevoir, retrouver toute ta tranquillité dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jabet avait prié à Dieu. Il avait crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais étendre mes limites. Et la Bible dit que Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Et Jabet était béni. Jabet était béni. Alléluia. Alors tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, que la puissance qui a changé la vie de Jabet, que la puissance qui a changé la vie de Jabet se manifeste dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que la puissance qui a changé la vie de Jabet se manifeste dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance qui a changé la vie de Jabet se manifeste aussi dans ma vie dans le nom de Jésus. Que la puissance qui a béni la vie de Jabet se manifeste aussi dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que la puissance qui a changé la vie de Jabet se manifeste aussi dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que la puissance qui a changé la vie de Jabet transforme aussi ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Florence, n'aie pas peur. N'aie pas peur, j'ai déclaré déjà sur toi. Ne t'inquiète pas, cette douleur va te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. J'ai déjà déclaré et la foi, nous sommes en train de prier, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, pour si tu as l'huile d'onction, mets l'huile d'onction et ça va aller. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la puissance qui a changé la vie de Jabet se manifeste dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la puissance qui a changé la vie de Jabet se manifeste dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de déclarer cela au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette puissance dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, priez pour moi. J'ai fait le travail des dieux. J'ai rêvé la nuit que j'avais raté l'enlèvement. J'ai dû m'examiner et Dieu voulait que je voie ces choses, mais je ne veux pas être déçu. Tu as vu, tu t'es repenti et peut-être que le Seigneur t'a montré pour te préparer encore plus. Voilà, continue à te sanctifier. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui marche dans le péché, continue encore à pécher. Si tu es dans la sanctification, sanctifie-toi encore et le Saint-Esprit te donne l'assurance que tu seras enlevé parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, que la paix de Dieu soit en toi au nom puissant de Jésus. 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 Je lis un peu les messages en même temps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 J'ai des douleurs. Alors, l'autre avait la douleur dans le sein gauche, droite.
Ici, j'ai de la douleur dans le sein gauche. C'est une manifestation d'un esprit. C'est la manifestation d'un esprit. Voilà. Qu'ils reçoivent le feu. Je déclare qu'ils sont exterminés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Encore une troisième personne. Douleur au sein gauche et au niveau de l'épaule gauche et dans le dos. Priez pour moi. Voilà. C'est des douleurs qui se manifestent parce qu'il y a un esprit qui est là. On a bougé quelque chose. On a dérangé quelque chose. C'est pour cela que vous avez tous ce symptôme-là qui est là. Voilà. Il y a trois personnes sur le même symptôme. Du sein gauche, du sein droit, du dos. C'est un esprit qui est derrière, ok? Voilà, c'est un esprit. Donc nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Je déclare le feu dans le nom de Jésus et je déclare la délivrance dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, alléluia. On acclame le Seigneur. Que la puissance qui a changé la vie de Jabeth puisse changer votre vie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, maman, aidez-moi à faire partir l'esprit de drépanocytose. Bien-aimé, si tu as la foi, là où tu m'écoutes, si tu as la foi, crois seulement que ton sang a changé. Crois seulement que tu reçois un sang, comment on dit ça? Un sang au plus, en tout cas, ton groupe sanguin a changé. Crois seulement que le gène de la drépanocytose t'a quitté. Crois-le seulement. Même si tu vois que tu as mal, même si tu sens qu'il y a des douleurs, crois-le seulement. Crois comme un enfant. Crois que ça a changé. Un jour, tu te rendras compte que les choses ont changé. Parce que je crois que le Seigneur Jésus, rien n'arrête le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'est stoppé par rien du tout. Il peut changer quelqu'un qui est drépano. Il peut changer son sang. Il peut changer son humilité. Il peut changer toutes choses. Il peut rendre les jeunes saints. Alléluia, je le crois. Crois-le tout simplement. Et ça va arriver. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie pour toutes les personnes qui ont la drépanocytose. Père éternel, Dieu de gloire, tu es le Dieu de miracles, Seigneur, et je déclare au nom de Jésus maintenant que, Seigneur oh Dieu, que la guérison rentre dans leur corps dans le nom de Jésus. Que toute anomalie au niveau des chromosomes, au niveau des gènes, que au niveau du sang, que cela soit maintenant restauré par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, rien ne dépasse ton entendement. Rien ne dépasse ta force. Seigneur, tu guéris toute maladie. Et la Bible déclare, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et je déclare, Seigneur, la délivrance, la guérison de toute personne, Seigneur, qui est touchée par la drépanocytose. Que ce soit quelqu'un qui est connecté ou une personne qui connaît quelqu'un qui a cette maladie. Mais parce que cette personne est ici, Père, je prie maintenant que ton miracle puisse se faire dans leur vie au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, leur sang puisse changer, que leur gène puisse changer, qu'il y ait une restauration, Seigneur, oh Dieu, de leur information, des informations génétiques dans leur corps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Jésus-Christ délivre. Le nom de Jésus chasse les démons. Au nom puissant de Jésus, recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier avec moi et tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je me tiens à la porte de minuit, change ma vie. Change ma vie. Transforme ma vie. Oh, change ma vie. Demande à Dieu de changer ta vie. Demande au Seigneur de changer ta vie. De la même manière qu'il avait changé la vie de Pierre, il a changé la vie de Paul, il a changé la vie de Moïse. Que ta vie soit changée. Que ta vie soit transformée. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit délivrée. Demande au Seigneur de changer ta vie. Dans le nom de Jésus. Là où la famille cherche à te condamner. Là où la sorcellerie cherche à te condamner. Là où les ténèbres cherchent à te condamner. Demande à Dieu de changer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, change ma vie. Restaure ma vie. Transforme ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Délivre ma vie. Alors que je suis dans ta présence, mon Père. Alors que je te cherche cette nuit. Change ma vie. Restaure ma vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Marabroché. Les parabrocha. Au nom de Jésus. Arlette, reçois ta guérison maintenant. Quel que soit ce que les médecins ont dit, j'anéantis cela et je déclare la guérison dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vois que beaucoup de personnes ont mal au sein. Touchez vos seins. Touchez vos seins. Vous qui avez mal au sein, à la poitrine, le sein, la poitrine,
Peut-être le pied aussi, les articulations touchées, touchées où vous avez mal. Et je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, tendre Père de gloire. Seigneur, je joins ma main à la main de tes enfants. Et Père éternel, je déclare par le feu du Saint-Esprit ta guérison. Seigneur, il est écrit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. J'appelle ta guérison. Je fais pénétrer par le feu la guérison de Christ dans votre corps au nom puissant de Jésus. Et je viens détruire les dépôts des ténèbres. Je viens détruire l'esprit d'oppression. Je viens détruire l'esprit d'oppression. Et je viens détruire l'esprit d'angoisse et d'anxiété au nom puissant de Jésus. Et j'appelle la guérison divine sur votre vie au nom puissant de Jésus. J'appelle la guérison divine et je déclare que votre main reçoit le feu de la guérison qui pénètre dans votre sein, dans votre thorax, dans votre corps, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Mon Père, alors que je me tiens dans ta présence, restaure ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens dans ta présence, Seigneur, restaure ma maison. Alors que je me tiens dans ta présence, restaure mes enfants. Alors que je me tiens dans ta présence, restaure-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire merci au Seigneur. Oh, parce qu'il est fidèle. Vous savez, on a tellement vu des miracles là dans cette session. Le Seigneur s'est tellement manifesté. Il y a eu tellement de manifestations, des choses extraordinaires. Voilà, vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur, être reconnaissant pour la puissance du Saint-Esprit qui s'est tellement manifestée dans cette session? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Marabroché, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez maintenant. Oh, dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur en recevant encore votre délivrance par la foi. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette visitation glorieuse que tu as faite dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, la présence du Saint-Esprit est tellement là, tellement forte ici. Je vais prier pour ceux qui ont besoin de mariage. Alléluia, je vais prier pour ceux qui ont besoin de mariage maintenant. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, je viens libérer le mariage dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Tout ce qui bloquait le mariage dans votre vie, je l'extermine par le feu au nom puissant de Jésus. Toute écriture, tout ce qui avait été écrit contre votre mariage, que cela soit effacé maintenant par le sang de Jésus. Et je déclare le mariage dans votre vie, l'ouverture de la porte du mariage cette année, avant la fin de l'année, que vous puissiez rencontrer votre mari ou votre femme, avant la fin de l'année, que vous puissiez vous marier, dans le nom de Jésus. Je libère le mariage dans le nom de Jésus, je libère le mariage dans votre vie par la foi dans le nom de Jésus, et j'ai ainsi prié, et nous disons Amen. Gloire à Dieu, recevez votre mariage au nom puissant de Jésus. Ne doutez pas, ayez la foi. Lorsqu'on prie, ayez la foi que vous avez reçu cela. Ayez la foi que vous avez reçu cela. Vous pouvez recevoir aussi pour quelqu'un, même si la personne n'est pas là, mais vous connectez à son visage, vous connectez à cette personne. Et quand je prie, vous envoyez la bénédiction directement sur cette personne. Dans le nom puissant de Jésus, que cela soit votre partage au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci, je vais prier le Seigneur et nous allons nous arrêter là pour nous permettre de nous reposer pour tout à l'heure. Alors s'il vous plaît, entre-temps, nous pouvons aimer la vidéo et par rapport à ce que le Saint-Esprit a fait au milieu de nous, c'était tellement merveilleux, les délivrances que nous avons vécues là tout de suite là dans cette session, nous pouvons aussi donner une offrande au Seigneur si ce n'est pas encore fait. Vous êtes libre de le faire, mais vous pouvez le faire lorsque la présence de Dieu se manifeste puissamment comme ça, lorsque ça descend puissamment. Nous pouvons aussi donner une offrande au Seigneur. Vous pouvez aussi donner pour les orphelins en même temps, pour sceller aussi votre délivrance. C'est une manière aussi de sceller la délivrance. Voilà, je vois que ça continue encore, les mal de ventre, toutes ces choses-là. Gloire à Dieu, mais soyez dans la joie parce que votre délivrance s'est manifestée. Je prie le Seigneur, tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps merveilleux, Seigneur. Merci pour la puissante présence du Saint-Esprit que nous avons vécu dans cette session. Merci pour les délivrances, oh Dieu. Merci pour les anges qui ont été, Seigneur, libérés, qui ont été, Seigneur, relâchés dans la vie de chaque personne. Père, alors que nous sommes arrivés à la fin de cette session, ce n'est pas la fin de ta présence. Seigneur, même dans le sommeil, que tu puisses encore continuer, Père. Car quand tu commences quelque chose, tu le termines. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, perfectionne la délivrance dans la vie de tes enfants. Perfectionne, Seigneur, oh Dieu, la grâce dans la vie de tes enfants. Perfectionne la guérison dans la vie de tes enfants. Perfectionne la faveur dans la vie de chaque personne. Et que ta grâce puisse encore environner chacun. Garde-nous, Seigneur, cette nuit fidèle à toi.
protège et préserve tes enfants. Oh, que leur sommeil soit entre tes mains. Tout, Seigneur, que tu prennes tout entre tes mains, que tu sois au contrôle de toutes choses, afin que nous puissions être là pour devancer l'aurore, afin de te célébrer, afin de te louer encore demain matin. Nous te bénissons, nous te louons, nous te disons encore merci. Merci pour ta main qui s'est manifestée dans la vie de chaque personne cette nuit. Merci pour ta puissance, ta manifestation. Nous sommes, Seigneur, ô Dieu, ravis. Nous sommes, Seigneur, ô Dieu, bénis. Oui, nous reconnaissons que nous sommes bénis. Et nous sommes, Seigneur, ô Dieu, touchés par ta puissance, par ta glorieuse puissance, ta glorieuse présence. Et nous sommes reconnaissants, nous sommes remplis de gratitude, Seigneur, parce que nous avons encore vu ta main qui nous montre que tu es avec nous, qui nous montre que tu es toujours là avec nous. Et merci, Seigneur, car tu te manifestes encore pour nous montrer que tu es le Dieu de la tour de prière semeur, tu es le Dieu de la guerre de minuit, tu es le Dieu de devancer l'aurore, tu es là avec nous et que tu n'es jamais loin de nous lorsque nous te cherchons. Béni soit ton nom, béni chaque personne et que tout soit pour ta seule gloire, par le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Alors s'il vous plaît, vous pouvez aussi aimer la vidéo pour dire Seigneur, je me joins à cette prière, je laisse un cachet, je laisse une signature pour dire que tout ce qui a été dit dans cette prière, c'est ma part, c'est ma portion, je reçois aussi la délivrance. Je me joins à ce que Dieu a fait dans cette session et je dis que tout cela est aussi pour moi. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Nous sommes arrivés à la fin de notre session et partagez toujours la vidéo avant d'aller dormir. Partagez à des amis. Mettez dans vos statuts WhatsApp s'il vous plaît. Soyez des sycomores et cela va vraiment aider beaucoup de personnes à aussi recevoir ou à bénéficier de cette délivrance qui est descendu ici, que nous avons reçu ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve tout à l'heure pour devancer l'aurore. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Soyez bénis, vous tous qui donnez les offrandes, soyez bénis. Voilà. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications et aussi aimez la vidéo. Abonnez-vous, invitez des amis à s'abonner. Invitez les frères et sœurs à s'abonner et vraiment, le Seigneur sera glorifié. Aimez la vidéo avant d'aller dormir. Il ne faut pas dire je le ferai demain. Non, non, pas demain. Avant de dormir déjà, aime la vidéo. Comme ça, c'est fait et tu seras tranquille. Amen, j'allais dire on est tranquille, mais toi, tu seras tranquille parce que tu l'auras déjà fait. Que le Seigneur te bénisse. Allez, je vous dis donc à bientôt, à bientôt, à bientôt. Soyez richement béni et on est ensemble. Ciao, ciao, ciao. J'ai tant besoin de toi. Je veux toucher ton vêtement. 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 Je vais tout
gloire, Yahweh. Dans ma maison, lève-toi. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. We'll be right back.